Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve vite fait parce que je suis allée à Action vite ce matin. Voilà, donc je vais vous montrer les bricoles. Il faut savoir aussi que j'ai fait Cucura. J'ai fait Emma. Voilà, alors, excusez-moi, je vais essayer. Je sais pas, je veux pas que vous me voyez à moi en fait. Donc, je vais commencer par Action. Alors, à Action, j'ai trouvé des fleurs. Alors, ça, c'est les brillantes. Je sais, j'en ai, mais j'en ai pas tant que ça. Et comme, en fait, c'est pour l'album de naissance. Donc, j'ai pris en blanc, pailleté. Voilà, j'en ai pris deux paquets. J'ai pris en violet, puisque c'est dans le vintage, violet, tout ça. Ensuite, j'ai pris du double face. Voilà, j'en ai pris qu'un rouleau parce que voilà. J'ai pris cette petite clé. Alors, c'est la solution pour avoir un peu plus de mémoire sur mon téléphone portable. Donc, on met la petite carte. Voilà, elle n'y est pas, hein, mais celle que j'avais avant. Je mets la petite carte SD dedans. Apparemment, je le branche sur mon portable et ça devrait marcher. Et ça, c'était même pas 1 euro. Donc, on va voir. Ensuite, toujours pareil pour l'album photo. Alors, je ne sais pas si je m'en servirai, mais bon, j'ai pris du ruban rose violet. Rose violet à petits pois blancs. Là. J'ai pris des fleurs en mousse dans les roses. J'ai pris des fleurs dans les violets. Oui, ça va être un mélange du coup de vintage, de rose, de violet. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai pris des roses en mousse blanche. J'ai trouvé des étiquettes. Alors, je les ai pris, mais bon, je sais pas exactement pourquoi faire. Mais, parce que du coup, en plus, j'ai même plus les papiers Disney. Donc, du coup, voilà. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc, c'est des étiquettes cadeaux Disney. Donc, ça, c'est la Reine des Neiges. Nous avons les princesses. Voilà. J'en ai d'autres par là. Ouais. Nous avons Minnie. Je les adore trop, celles-là. Je les trouve trop mignonnes. Je râle presque de ne pas avoir d'album enfant à faire Disney. Ça, c'est les princesses. Et il y a les Mickey par là. Bon, je vous les montrerai après. Alors là, j'ai pris des embellissements et je suis trop contente. Pareil pour l'album photo naissance. Donc, pour les filles. Ils sont trop beaux. Donc là, j'en ai pris. Hein. Ah, j'en ai pris 3. Je pense pas me servir des 3 pour le même album, mais au moins j'en aurai. J'en ai pris 3 pour les garçons. J'adore. Ils sont trop, trop mignons. Bon, alors, j'ai pris des sacs poubelles hein, pour l'atelier. Parce que les transparents que j'avais pris une fois, ils valaient rien. J'ai pris ces attaches parisiennes. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je les ai pris pour celui-là. Voilà, ça. Alors après, ça je vais montrer. J'ai pris des roses pailletées roses. J'ai trouvé ce bloc. Alors là, j'adore, je le kiffe. C'est Vintage Travel. Et alors là, bon alors c'est un 15-15, hein, mais j'adore. Il est magnifique. Franchement. Rien à dire. Voilà. Celui-là. Pardon. Celui-là. Mais je pense que vous avez dû déjà les voir. Hein. Je pense pas qu'ils soient nouveaux, ceux-là. Pour moi, oui, mais vu qu'ils ont du retard, du coup, à Toulouse. Celui-là. Ça, j'adore. Et en bleu. Voilà.
Ensuite, j'ai pris des roses roses, comme ceci. J'ai pris des boutons parce qu'hier, je me suis aperçue que dans ce lot, j'ai plus beaucoup de noir, de gris et de marron. Donc, j'en ai repris. J'ai pris, alors, pour mon neveu, la semaine prochaine, donc il a fait 18 ans mercredi. Voilà. Donc, je dois lui faire un album photo avec le livre d'or. Donc, du coup, j'ai pris ça, ces blocs de cartes 3D. Je les avais déjà, je vous les ai déjà présentés. J'en avais un. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le remontrer, hein, puisque enfin, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais m'en servir. Voilà, j'en ai pris deux de plus, au cas où. Voilà. J'ai pris des embellissements anniversaire. Donc, j'en ai pris deux. Ça servira toujours. Et j'ai pris aussi ceux sur le thème des vacances parce que j'avais le bloc carterie vacances. Donc, je l'ai pris. Voilà. Ça, j'arrive à vous l'attraper. Pour l'album aussi, j'ai pris ces petites fleurs là, dans les roses et un peu violet. Alors, je râle parce qu'il n'y en avait qu'un comme ça. Et du coup, un ou deux. Je sais plus. Tellement. Donc, il n'y a pas beaucoup de violet en fait. Mais bon. Des roses blanches. J'ai repris quelques perles. Mais j'ai pas trouvé, vous savez, pour le tableau 3D, la balance que j'avais fait. Donc, du coup, j'ai trouvé tout ça. Et je crois que j'en avais une. Non, c'est pas ça. Ah, si, dans les violets. Mais je pense que ça ira pas. Ouais. Ça, j'ai pris aussi les embellissements thème mariage. J'en ai pris deux. Après, ah, tiens, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, voilà, ils sont là, niqués. Je les adore. Voilà. J'ai pris ce bloc aussi. 15-15 vintage grunge. Donc, voilà. Ça servira toujours. Hein. Je passe vite fait hein, parce que vous devez les connaître. Hop. Donc ça, ouais, j'en ai pris deux de chaque en fait. J'ai pris quatre lots d'enveloppe double craft avec enveloppe 15-15. Mais ça, c'est pas pour moi. C'est pour dépanner quelqu'un. Voilà. Et là, action, c'est tout. Donc, je vais passer à Emma. Alors, à Emma, j'ai acheté une voiture. Alors, si vous remarquez, il est marqué 18. Voilà. C'est pour le gâteau que je dois faire pour mon neveu le week-end prochain. Parce qu'il fait 18 ans. Et il va avoir une voiture bleue. Donc, le thème du gâteau, ce sera du judo, judo moto. Mais bon, c'est juste pour manière de marquer le coup. Et ça, c'était 2,50 €. Ensuite, ça c'est après. J'ai trouvé des stickers alphabet noir, 75 centimes. Donc, j'en ai pris aussi. Voilà. J'ai pris. Alors. Non, parce que c'est un peu tout mélangé, je suis désolée. J'ai pris des ballons. Alors, j'ai pris le 18. C'est pour Coralie. Voilà. Donc, c'est des ballons, des petits ballons qu'on gonfle.
Voilà. Et donc, comme c'était 1 euro, en fait, ben, j'ai pris aussi pour marquer Coralie. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, il n'y a pas marqué la taille dessus. Mais bon, vous voyez quoi, c'est les petits ballons qu'on gonfle. Voilà. Et là, j'ai pris mon café, comme d'habitude. Voilà, à 7,50 €. Il est très bon. Là. Après, je suis allée aux sœurs. Et aux sœurs, on n'a pas pris grand-chose. J'ai pris un alphabet comme ça, en strass, pour l'album naissance. Voilà. Ça, c'était 1,66 €. J'ai pris des plumes comme ça pour compléter l'album de Coralie. Ça, c'était 1,24 €. J'en ai pris deux. Et pour l'album naissance aussi, j'ai pris des petits napperons roses. Ils sont magnifiques. J'ai adoré. Et c'était 1,44 €. Et je les ai pris en blanc. Voilà. Donc, il y en a 40. Et ils font 11,4 cm. Voilà. C'est tout pour Emma. Et alors, après, à Cultura. Alors, ah oui, alors à Action, mais je l'ai encore dans la voiture parce que je ne pouvais pas tout porter. J'ai acheté une grille noire pour mettre des photos. Moi, je vais m'en servir pour mettre vos cartes dans l'atelier. Et j'avais payé ça, je crois, 2,70 €, un truc comme ça. J'aurais dû en prendre deux d'ailleurs, mais bon. Et à Emma aussi, je me suis trouvé. C'est pareil, c'est un truc, une grille. Mais pour mettre les papiers, vous savez, les revues. Donc ça, par contre, je l'ai payé 9 €. Et bon, pareil, je l'ai laissé dans la voiture puisque c'est pour l'atelier. Donc voilà. Et à Cultura, alors, pour mon neveu, puisqu'il faut que je lui fasse un album photo livre d'or, c'est un garçon. Donc, pas de fleurs, pas de trucs de filles. Donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, je me suis souvenu que Toga faisait une collection New York ou Londres. Et donc, je suis allée voir. Et en fait, j'ai retrouvé celle-là. Donc, je vais le faire avec celui-là. Donc, c'est un peu compliqué pour les garçons. Mais vous devez la connaître, hein, celle-là, je pense. C'est une des premières collections que j'ai achetées quand j'ai commencé le scrap. Donc. Donc voilà, je suis partie sur ce thème-là. Après, là, j'adore. Alors, sa chambre, lui, c'est le thème New York ou non, Londres. Mais je trouvais que les couleurs allaient mieux comme ça. Donc voilà, après on recommence, c'est les mêmes de toute façon. Puisqu'il y a 2 x 14 papiers. Voilà. J'en ai profité pour prendre une encre Memento qui était, je sais plus, 4,90 € je crois, noire. Parce qu'en fait j'ai pris celle-là parce qu'elle était un peu moins chère que la Stazone. Et comme j'ai pas mal de trucs à acheter ces derniers temps. Voilà. Et comme son album va être dans les noirs, gris, blanc, donc du coup j'ai pris du pollen. Alors c'est du 120 grammes, il n'y avait pas du 160 grammes. Donc c'est le gris koala. Moi je voulais du gris acier, vous savez, le même gris que pour l'album de mariage, mais j'ai pas trouvé donc. Et comme ça, c'est urgent. Et pour le gâteau de ma fille, du coup, à Cultura, alors j'ai acheté ça. C'est de la pâte à sucre qui est déjà toute prête à l'emploi. Donc comme ça, j'aurais pas forcé comme un âne pour
pour étaler la pâte à sucre. Donc je lui ai pris une bleue et une rose. Voilà. Et ma soeur pour mon neveu a pris blanc. Je vous montre. Voilà. C'était 4,99€ au lieu de 7,99€. Donc du coup, voilà. Ça revenait au même que. Parce que là, il y a 430 g de pâte à sucre. Et la pâte à sucre chez Cultura, c'était 7,98€. Ou 8,98€, je ne sais plus, les 500 grammes. Donc en gros, j'ai pris ça. Et voilà. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Donc, j'espère que cette petite vidéo vite faite vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.